Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, on va regarder un problème issu d'un ancien Puzzle Grand Prix qui était à l'époque organisé par la Hongrie. Ça s'appelle Hydra, c'était composé par l'auteur Victor Samout, dont j'ai déjà présenté des problèmes. Et voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a les cinq anneaux olympiques, puisque c'était le thème de ce Grand Prix. Ça avait été composé à une époque où il n'était pas encore connu que les Jeux olympiques seraient annulés. Et pour la règle, on va regarder l'exemple issu du livret d'instruction de la qualification suisse, puisque tout ça, c'est dans le cadre de la préparation de cet événement. On nous donne dans la grille certaines cases numérotées. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de relier ces cases comme ceci, en un graphe connexe qu'on appelle un arbre. Il ne doit pas y avoir de boucle. Et la raison pour laquelle il ne doit pas y avoir de boucle, c'est que les cases qu'on n'a pas noircies doivent toutes être connectées au bord. Ça forme ce qu'on appelle une cave, ou plutôt les cases non coloriées forment ce qu'on appelle un corail. Et il ne doit pas y avoir de carré de 2 sur 2 dans la région qu'on appelle l'hydre, qui a vraiment une structure d'arbre. Et les cases qui sont là, ça c'est la queue de l'hydre et ça ce sont les têtes. C'est-à-dire que ce sont les points les plus éloignés. Vous voyez qu'on peut aller de là à là et on n'ira pas plus loin. Et on ira de là à là, on n'ira pas plus loin. Pareil ici, pareil là. Ce sont les feuilles de l'arbre. Et les numéros à chaque fois, c'est la distance qu'on parcourt le long de ce graphe pour aller de la queue jusqu'à la tête. Voilà donc le principe. Alors on remarque que dans le problème suisse, apparemment, il y aura des indications numériques du nombre de cases faisant partie de l'hydre dans la ligne ou la colonne correspondante, ce qui n'était pas le cas dans ce problème de Victor Samoud. Et je n'ai jamais résolu un problème de ce genre, donc cette vidéo risque d'être un peu longue si j'arrive à la terminer même. Et la question c'est donc est-ce que je vais réussir à résoudre ça? Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que il n'y aura pas. Alors on ne va pas se déplacer par là, ni là. Alors pourquoi pas là? Parce que si, non. Si je passe par là, je vais être obligé d'aller ici ou là. Et ça fera 1, 2, 3, 4 et pas 32. 1, 2, 3, 4 et pas 44. De même, il n'y aura rien ici, parce que s'il y avait quelque chose ici, ça repartirait par là ou par là. Et vous voyez qu'on relierait un 21-27 ou un 44 à un 27 beaucoup trop rapidement. Puis forcément, il n'y a rien ici non plus. Donc déjà, on est sûr que ça, c'est du corail. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le 27 et le 32, on peut se dire, mais ils sont beaucoup trop éloignés. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un chemin qui va du 1 au 32, un chemin qui va du 1 au 27, mais a priori, c'est pas le même. Ou disons, il peut y avoir une intersection, mais ça s'arrête à un moment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Et la question, c'est comment est-ce que ça va. Comment est-ce qu'on va aller du 1 au 20? De manière à ce que ça soit plus long d'aller au 27. Dans mon idée, il doit y avoir une astuce de ce genre-là. Une astuce de ce genre-là. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et qui, ici, ferait des détours. Alors, je ne sais pas comment. Parce que là, il n'y en a pas 7 de plus. Tiens, déjà, là, il y en a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, il se trouve que j'ai tapé directement la bonne longueur. Mais 3, 4. Non, là, c'est encore plus court. Donc, si je fais un chemin de ce genre-là pour relier le 1 au 20. Comment est-ce que je vais me débrouiller? En fait, si je veux repartir vers le 27,
Il va falloir que je le fasse assez tard pour que le nombre de segments supplémentaires fonctionne bien. Par exemple, si je fais ça, est-ce que ça marche? Si je fais ça, je suis ici à 19, 20, 21, 22, 23, oh, ça marche, 24, 25, 26, 27. Et là, la question, c'est, parce que là, j'y suis vraiment allé au jugé comme ça pour essayer de trouver quelque chose, j'y suis allé au culot, pour ainsi dire. Est-ce qu'il y a un moyen de comprendre que c'est la seule solution? Et je suis tenté de dire que oui. Je suis tenté de dire que oui, ça va forcément être la seule solution, parce que d'une certaine manière, je suis allé du 1 au 20 de manière optimale, optimale en ce sens qu'il fallait que je laisse de la place pour que ça bifurque vers le 27 et pour que ce qu'il y a entre les deux puisse sortir. Donc là, clairement, je ne vais pas réussir à formaliser mon intuition. Mais je suis assez convaincu que c'est ça qu'il s'agit de faire. Et le fait que le problème soit seulement à 23 points, c'est qu'à mon avis, il n'est pas attendu une démonstration super propre. Maintenant, question, comment est-ce qu'on va au 32? Est-ce qu'on va... On pourrait essayer... Non, on ne peut pas essayer de faire quelque chose comme ça. Parce qu'à ce moment-là, on aurait 6, toute cette zone du corail, elle peut être isolée, absolument. Ce qui est important, c'est que toute cette zone de corail puisse rejoindre le bord d'une manière ou d'une autre. Et la question, c'est de quel côté? Ben moi, j'ai envie de dire que ça va aller rejoindre le bord de ce côté-là, c'est pas un problème. Et il va falloir trouver comment on rejoint le 32 et le 44. Il va y avoir une bifurcation du même type, je pense, où peu de temps avant d'arriver au 32, mettons qu'on soit parti de là, on va zigzaguer comme ça, on va vers le 32, et puis ici ça repart et ça zigzague et ça refait du chemin, en essayant d'en faire 12 de plus, ce qui doit être quasiment ce qui se passe. Si j'essaye un chemin comme ça, qui fait ça? Combien est-ce que j'en mets en plus? Là, il y en a 4. Là, il y en a 4. Donc, j'en mets en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben, c'est parfait. Donc, toute la question, c'est si je fais quelque chose de vaguement extrême comme ceci, ça va sûrement pas être satisfaisant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26. Donc non, il va falloir zigzaguer un petit peu plus. Il va falloir en ajouter 6. Et comment est-ce que j'en ajoute 6? Là, j'en ajoute 5. Tiens, ça aurait été pas mal de compter. La hauteur de la grille, c'est 11. La largeur aussi. Et si je fais un chemin vraiment comme celui-ci, là il y en a bien 12 de plus. Donc j'ai vraiment envie de bifurquer exactement ici. Donc il faut que j'arrive ici. Et je sais déjà plus combien j'ai dit. 11, 15, 20, 23, 26, 27. J'en suis à 27. Il va falloir que je recompte 5, 8, 19, plus 3, 22, 26. Donc il faut que j'en ajoute 6. Et pour une raison de parité, en fait, tout simplement, si je veux pouvoir m'éloigner un petit peu. Alors c'est sûr que ça, c'est pas la solution, parce que vous voyez que si je remplace ça par ça, j'ai une autre solution. Ça marche encore. Donc il y aurait un problème d'unicité. Comment est-ce que j'en ajoute 6? Parce que vous voyez que si je m'amuse à décrocher et à faire ça, j'ai remplacé une case par 5 cases. Donc j'ai fait plus 4.
Et j'ai aucun moyen de faire plus de... Sauf... Sauf si je m'amuse à faire des choses. Si je fais ça à la place. Ça fait plus de... Ah. Et si je fais plus 4 comme ça? Et maintenant, ici, je fais plus 2. Ça doit marcher. J'ai pas déconnecté mon corail, qui en fait, cette partie-là du corail va être en un seul tenant et va rejoindre le bord, ça aussi. Là, j'ai des morceaux de corail sur le bord. Et vous voyez que là, je pouvais renfoncer de cette taille-là, alors qu'ici, je pouvais moins renfoncer à cause du 32 qui est là. Et là, je pense que j'ai une solution. 5, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 29, 32. Et puis là, j'avais déjà compté que ça faisait 12 de plus. En tout cas, là, j'ai une solution. Et ce qui me chagrine un peu, c'est que j'y suis allé vraiment au culot, chose que j'arrive jamais à faire d'habitude sur ce genre de problème, et que en y allant au culot, j'arrive pas vraiment à justifier que c'est la seule solution. Là, je dois dire que oui, je suis content d'avoir réussi à trouver, parce qu'à l'époque, j'ai même pas essayé. Je suis content d'avoir réussi à trouver une solution, mais je suis pas très satisfait de ce fait que ben, j'ai vraiment absolument pas prouvé que c'était la seule. Bon, eh ben, je vais devoir me contenter de ça. Si jamais vous avez des remarques constructives à faire là-dessus, ne vous en privez pas. De manière générale, je trouve que j'ai vraiment beaucoup trop peu de commentaires sur ces vidéos. Peut-être que je fais trop de vidéos aussi. En attendant, merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Sudo Canard.